Salut les hasards, c'est Joe Ami. Salut les amis, c'est Joe Hazard. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte ou redécouverte. Mais cette fois-ci, on va redécouvrir ensemble Forza Horizon 4. Et cette fois-ci, ce sera sur la Xbox Series X. J'en profite pour vous montrer mon débit ultra haute. Enfin, mon super débit en fibre de carton. Vous voyez à quelle vitesse je télécharge les jeux, donc je suis pas prêt d'avoir tout ce que je veux. J'ai même pas encore installé le Dirt 5 qui est en file d'attente. L'Assassin's Creed, voilà, là, pareil, je l'ai pas encore mis dans la console. Ici, c'est juste le code que j'avais eu pour ma précommande. Donc voilà, ça met du temps. Et c'est pénible cette connexion de brin de chez Proximus. Voilà, donc on va commencer ensemble une nouvelle carrière, un nouveau. On recommence depuis le début, mais bon, j'avais pas été très loin, j'avais pas énormément joué à cet opus. D'ailleurs, aux trois non plus, d'ailleurs. J'ai dit deux fois d'ailleurs, tiens, comme c'est bizarre. Allez, on va lancer le jeu. Donc on devrait voir la place aussi au niveau des chargements qui seront plus rapides. Graphiquement, normalement, il devrait avoir une petite amélioration également. Je tiens à signaler que je ne joue pas sur une télé 4K. Je n'ai pas encore de télé 4K malheureusement, donc je joue sur une télé HD classique 1080. Mais bon, je pense qu'on verra quand même, comme ça a été le cas sur d'autres titres. Une différence niveau animation déjà, au niveau du framerate, et ce sera quand même plus joli, parce que j'ai déjà remarqué que le WRC 9, malgré que je n'ai pas une télé 4K, je vois quand même la différence. Donc voili voilou, je vous laisse la petite intro là, qui franchement est magnifique. Allez, on y va. Est-ce qu'il aurait pas pris ma sauvegarde de ma version Xbox One? Je pense qu'il a pris la sauvegarde. J'ai programmé l'itinéraire vers une course près d'ici. De la version Xbox One. Donc comment puis-je recommencer une nouvelle partie? Paramètres. Ou alors je dois aller effacer. Ou alors on continue. Bon, c'est peut-être mieux qu'on continue. Ouais. De toute façon, j'avais déjà fait la vidéo découverte sur Xbox One. Et franchement, on voit que moi, ici même, sur une télé 1080, je le trouve déjà beaucoup plus joli. Hein. Alors, on va mettre la carte. Comment est-ce que ça va encore, la carte? C'est la carte. Non, ça c'est le mode photo. Ça fait un moment que j'ai pu jouer à ce jeu, donc le temps que je vais courir. J'ai calculé l'itinéraire vers une course près d'ici. Faites demi-tour dès que possible. Ah, faites demi-tour dès que possible. À 400 mètres. Tournez à gauche.
pour le temps que je me remette aussi dans le bain. Tournez à gauche. Mais bon, niveau maniabilité, à mon avis, ça va revenir très vite parce que c'est, il est vraiment excellent niveau maniabilité. Et alors, tu vois pas que je continue, toi? Ah oui, c'est vrai qu'on est censé rouler à gauche. J'ai oublié ce détail. Encore moins en tour. Mais regardez-moi ça, ces arbres, franchement, ils sont magnifiques avec les détails des feuilles et tout. C'est vraiment. Vous avez atteint Oups. Votre destination. Je suis là que j'admire les arbres et vous avez vu, je suis. J'ai été trop loin. Alors, ici. Tac. Bon, alors là, j'espère que je pourrai changer ma coupe de cheveux parce que c'est vraiment pas ça. Hein. Horizon présente l'épreuve mixte. Bon, j'ai envie de prévenir que ça va être très glissant sur la piste, avec toute la pluie qu'on a en ce moment. Même tracé, mais pilotage différent. Ok. Oh là là, c'est une goutte de pluie sur l'écran, mais franchement, c'est magnifique. Quand je vous dis que ça fait longtemps que j'ai pu jouer, moi j'attendais le 3, 2, 1, go. Il n'y a pas. Directement, vas-y, il fonce. Oh là là là, mec, ce jeu est beau. Ce jeu est magnifique, les amis, et encore plus ici sur Series X. Pas demander quand j'aurai mon écran 4K, je pense que j'ai ma mâchoire qui va se décrocher. Hein. Et encore, on n'est même pas sur de vrais jeux next-gen. Hein. Ici, c'est juste un jeu Xbox One amélioré. Un jour où on aura un Forza Horizon 5, ça va dégommer le bitume. Ça va dégommer le bitume, oui. Ça va t'arracher la gomme que j'aurai laissée sur le bitume. Allez, on essaye de grappiller. On est au deuxième tour, on est troisième. Faut pas louper. C'est mieux. Un portail, sinon c'est la merdasse. Oh là 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 là, et ces éclaboussures. Les éclaboussures sont tellement bien faites que ça te donne presque envie d'aller te jeter dans l'eau avec ton imperméable jaune. C'est génialissime, mais quand t'arrives à. Quand tu sens que tu pars en cacahuète, mais que t'arrives à te rattraper, là, c'est. T'as presque. C'est une image, hein. T'as presque la bosse dans le pantalon.
Ah, j'ai quand même une... J'osais pas regarder, mais voilà, je l'ai fait. J'ai quand même une petite avance. Yeah. On l'a fait, les amis, on est premier. On va continuer. On avait quand même une belle petite avance. Hein. Quasi ouais, 4 secondes. Avec mon nouvel avatar là-bas sur l'écran géant. C'est la classe. Du championnat de course sur Terre, oui, avec plaisir. Ouais, on va y aller. Que tu aies déjà couru sur ce tracé. Les fans en redemandent toujours. Tu te feras un nom et ça te permettra de te qualifier pour la manche suivante. Ok. C'est tout bénef. Salut le cinglé. Bienvenue à la saison d'automne. Ah ouais, c'est moi le cinglé. Mon équipe veut trouver notre recrue la plus prometteuse pour la prochaine épreuve de rassemblement. Ça peut être toi. Convainc-moi. Rebecca m'a dit que tu étais en compétition pour la deuxième manche du championnat sur route. Joël m'a dit qu'un certain Mike Steele te cherchait pour une histoire de cascade. À propos de cascade, Jamin recherche notre prochain cascadeur vedette. Ok, d'accord. Alex dit qu'il est prêt à démarrer la deuxième manche du championnat de course sur Terre. Mais qu'il a hâte de commencer le championnat de cross-country. Nom de Dieu, il y en a des trucs. Allez, où vais-je aller en premier? Allez, on va aller ici. Piste du Derwentwater. Championnat de course sur Terre. Allez, on va d'abord aller à celui-là. Salut le cinglé. Je voulais juste te dire que le salon auto est ouvert. Tu peux venir y jeter un œil ou je peux t'envoyer le... Mais regardez-moi ça, franchement, ce décor magnifique. Hein. Là, je suis scotché. Tu te dis que non seulement c'est hyper magnifique, mais en plus que tu peux aller où tu veux, quoi. C'est pas juste un tracé. Ouais. Allez, donc on est parti hein, pour un petit let's play. On va faire des petites séances de, allez, je vais dire 30-40 minutes à chaque fois. Et on continuera comme ça tranquillou ensemble. Sans stresser. C'était quoi là? Une voiture invisible ou quoi? Ou qu'est-ce que j'ai vu? J'ai pas eu le temps de... C'était bizarre quand même. Ouh putain, virage serré à gauche, je sais pas. Ouf. Non, vous je vais pas. Votre point de prouesse ici pour déverrouiller les maîtrises de voiture. Chaque voiture possède son propre ensemble de maîtrises, offrant des avantages et des bonus uniques. Mais les points de prouesse peuvent être dépensés sur n'importe laquelle de vos voitures. Ah, il y a un petit succès qui va bien, des petits plus. Vous avez utilisé votre première maîtrise de voiture. Bon, on va... Je sais plus comment... On règle la radio. Voilà. Désactiver. C'est peut-être mieux pour... C'est peut-être déjà trop tard pour cette vidéo. Mais bon, pour la prochaine vidéo. Pour éviter d'avoir des soucis de droit d'auteur. Oh là là, mais franchement, qu'est-ce qu'il est beau, hein.
c'est tellement beau, j'en ai presque la goutte au bout du sgeg. Oui, c'était là. Destination. C'était là. Je vais avoir souvent la farce, hein. Alors, solo, coop. Alors, joueur, coop avec d'autres joueurs. Courir de manière compétitive contre d'autres joueurs. Affrontez vos rivaux pour faire le meilleur temps sur ce tracé. Bon, on va faire solo. Non? Bon, on va le faire solo. Salut le cinglé. Voyons voir comment personnaliser Horizon. J'avais laissé l'ancien boss du festival tester ça en Australie, mais il n'est pas là. Donc je cherche de nouveaux artistes en herbe. Bah, on va faire ça, hein, on va pas... Tant que je me remette dans le bain, que je revois tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui est possible de faire, on va pas s'attarder dans les petits détails et perdre du temps, enfin mettre plus de temps. Vous, ce que vous voulez voir, c'est de la course, de la pure et dure. Donc on y va, voilà. Oh là là, la Subaru, là, elle est excellente. Hein. De DJ McFlurry. Les amis, je vous le dis, c'est un kiff, mais hyper dimensionnel. Je sais pas vous l'expliquer autrement, tellement c'est le pur bonheur de jouer à ce jeu. Allez, on est troisième. On n'est pas encore à la moitié de la course, mais il va falloir quand même pas traîner pour se glisser en meilleure position. On est deuxième. Tiens, j'avais désactivé les notifs. Que j'aille revoir ça parce que c'est chiant quand t'as des motifs comme ça, telle personne est en ligne, etc. Quand t'es concentré dans l'action. C'est serré, il est à mon cul, hein. On le voit là, à gauche. Yes! Encore premier. C'est nickel tout plein. On n'a pas beaucoup d'écart, hein, vous voyez, il n'y a même pas une seconde d'écart. Allez, on continue. Voilà qui te rapporte un billet pour la prochaine manche. Kera m'a demandé de gérer les courses sur Terre pour l'aider à trouver notre... Il y a plein d'épreuves à faire. Je crois que t'es le pilote le plus prometteur.
Merci. Continue de te qualifier et tu remporteras ce titre plus vite que tu ne le penses. Tu en doutais ou quoi? Parce que... Je t'explique comment ça marche. Comme le festival n'a rien autorisé, on a nos propres règles. Les meilleurs pilotes restent, les autres dégagent. C'est la loi des courses de rue d'horizon. Enfin, je pense pas que je lise DLC là, faudra que je l'achète. Se rendre à la vallée des goûts. Bon, on va aller ici alors. Mais c'est pas ça que je viens de faire. Ah non, c'est ça que je viens de faire. On n'est pas loin, donc on va faire celle-ci. Tourner un peu plus tôt à gauche, du hasard, elle voulait dire. Je suis vraiment un fan de Joe, hein. Une voiture qui a disparu là devant nous. Un conducteur fantôme signalé sur la... J'ai freiné, je vous assure. Voilà, j'étais pas trop loin quand même. Hein. Allez, on se la refait en solo direct, on n'hésite plus. Tac, 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 et c'est parti. Ah, Ford Focus cette fois. Ça change. Faudra une fois que je prenne le temps d'aller voir ce qu'il y a comme déco pour les carrosseries. Parce que dans la série des Forza Horizon et des Forza Motorsport, waouh, il y en a qui ont du talent. Hein. Je me rappelle à l'époque, c'était sur Forza 5. Forza Motorsport 5, je m'étais amusé à faire une voiture Dora l'exploratrice. Oui, je sais, Joe, 48 ans, fait une voiture. Enfin, à l'époque, j'avais pas 48 ans déjà, mais bon. Hein. Je n'étais pas tout jeune non plus. Mais j'avais fait une, voilà, Dora l'exploratrice, j'en étais franchement très fier. J'avais fait également une voiture pour Alex du Québec, le youtubeur, là. Et il en était très content. D'ailleurs, il y en a, j'étais une fois sur un de ses lives il n'y a pas longtemps, il en a encore reparlé. Il s'est souvenu de moi. Allez, on va essayer d'être quand même sur le podium. Normalement, j'espère que ça va aller. Oufti. Allez, on est à la troisième place, on n'est pas encore à la moitié du tracé. L'argle. Oufti, j'ai presque... Heureusement qu'il m'a pas compté comme quoi je l'avais loupé, parce que c'est à peine si je l'ai touché. Hein. En tout cas, c'est un réel plaisir de jouer à ce jeu. Waouh! Cette maniabilité terrible, ces graphismes, franchement, nickel. Il était déjà très beau sur Xbox One. Je n'avais même pas la Xbox One X. J'étais sur simple Xbox One, donc il était déjà très beau.
Bah alors là. Waouh. Ils sont tous à mon cul là, je le vois à gauche. Ils doivent se dire putain, celui-là, dès qu'il fait une petite erreur, on le nique. Je vais juste essayer de ne pas faire d'erreur. Je dis ça comme si j'étais sûr de moi. Presque. Alors que du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Allez, on est à la ligne d'arrivée. Yeah! J'ai été fermer la porte pour pas qu'on entende trop les calopsites dehors. Il y a du soleil et tout, donc voilà, ils sont contents. Ils se font entendre. Allez, on va encore faire une petite épreuve. 27 minutes, bah on peut encore en faire au moins une. Hein. Allez, qu'est-ce que je vais gagner? Des bottes en caoutchouc, une caisse ou une veste? Oh, un klaxon. Je savais que c'était une mauvaise idée de mettre des klaxons fantasy dans les lots du tirage. Enfin, tu peux le monter si tu veux. Allez, lol. Klaxon marche nuptial. J'ai trouvé un pilote pour notre premier rassemblement. Jeune, inexpérimenté, mais bourré de talent. Très gros potentiel. On risque de s'en souvenir longtemps. C'est quoi cette Alors, course? Tu es occupé en ce moment? C'est quoi donc cette course? Rassemblement Behemoth. On n'est pas très loin. Quoi, de toute façon, comment ça, y a rien d'autre? Je dois la faire en fait. Ah ouais, je ferai les autres par après. Ok. Allez, on va aller au rassemblement Behemoth. J'ai cherché des granges autour du festival sur les images satellites et j'en ai trouvé une. Oh, il faut faire demi-tour avec prudence. Mais qui est cette prudence? Bon, les trésors de grange, on va pas s'attarder là-dessus. C'était encore un véhicule transparent, hein. Je sais pas comment ça se fait qu'il y a des véhicules transparents d'un coup. Est-ce qu'il s'agit d'anciens joueurs Xbox qui ne jouent plus sur Xbox ou qui n'ont pas le jeu ou je sais pas. Normalement aussi si t'es dedans c'est que t'avais le jeu. À 400 mètres, tournez à gauche. Pas oublier hein. Pas oublier un joueur hasard. Tournez à gauche. À 400 mètres, prenez le virage serré à gauche. Prenez le virage serré à gauche. À 200 mètres, tournez à droite. Tournez à droite. Oh là 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 là, mec, c'est bien fait. Je crois que c'est la plus belle éclaboussure que j'ai vue jusqu'à maintenant. Avec celle de Dirt 5. Mais je pense que celle-ci sont quand même encore un poil mieux. Je dois vérifier, tiens.
peux pas prendre de raccourci, tourner directement. Il y a trop de pentes, hein, à mon avis, je vais pas y arriver. Je suis pas en 4x4 non plus. Parce que c'est vrai que t'es pas obligé de suivre les tracés qui nous disent. Destination. Ah ouais. Ah ouais. Au nom de Dieu. Crévin Dieu. On va devoir faire la course avec ce truc. Contre ce truc, je veux dire. Ouais, allez, on y va, on est fous, on est des fous. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça. Oh, excellent, purée. Oh punaise, c'est trop génial, c'est trop de la balle quoi. Waouh. Et il trace le bazar. Hein. Yeah. Oh purée. Oh non, DJ, excellent quoi. Excellent. Ah, je kiffe. J'adore. Hein. C'est serré, hein. Et j'adore quand c'est serré. Sauf mes slips. Oh là là, il a envoyé valser un arbre là. Oh là 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 là. Le machin pour la déforestation. Il y va, hein, tranquillou. Hein. Ouh, t'es déjà. Ah, j'ai perdu du temps, c'est la merdouille. Mais ce qui est bien, c'est qu'il perd de la vitesse dans les montées. Vu sa taille, son poids. Donc rien n'est perdu. Sauf si je fais le mariole que je me plante trop souvent. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils font les amis? Et c'est l'arrivée. C'est... Ouh, c'était tout juste, c'était serré comme un string. Purée, waouh, excellent. Ah là, j'ai kiffé ma 200% cette course. Waouh. On va mettre le ralenti avant de terminer. Après, on arrêtera là pour cette vidéo. Donc consacrée, je vous le rappelle, au Let's Play sur Forza Horizon 4, donc sur Xbox Series X. On va mettre comme ça. Pouah. Oh là 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 là, que c'était vraiment énorme quoi. Ah, des courses comme ça, j'en revue. Hein. C'est vrai que dans les Forza Horizon, il y a toujours des courses un peu décalées, là, contre un avion, contre un train, contre des montgolfières. Waouh, c'est vraiment
Des trucs de ouf, mais qu'est-ce que c'est jouissif. Oh là 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 là. Oh punaise, qu'est-ce que c'était bon. C'était quand même serré, hein. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Voilà les amis, je vous propose donc, sur cette belle aurore boréale, je vous propose qu'on arrête là donc pour cette vidéo consacrée au Let's Play sur Forza Horizon 4 sur Xbox Series X. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos, n'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui aide à référencer la vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire également, ça fait toujours super plaisir et je vous répondrai, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire également s'il y a d'autres épreuves de ce style qui m'attendent, j'ai envie de savoir. Allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos, ciao ciao, bisous.